Hello, comment tu vas? Salut, coucou. Oui, souvent cette question on nous la pose en hein, longueur de journée d'ailleurs. Comment tu vas par message sur les réseaux sociaux ou les gens qu'on croise dans la rue, qu'on n'a pas vu depuis longtemps? Et on se demande toujours comment va l'autre, mais est-ce que la réponse qu'on donne, c'est réellement la vérité? Aujourd'hui, si je te pose cette question et que je te demande comment tu vas, est-ce que tu seras capable de me dire réellement la vérité? Est-ce que toi-même, tu as conscience de l'état dans lequel tu es actuellement? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute ensemble. On va discuter de ce thème qui est comme un fléau dans notre société, mais qui est bien réel. Parfois, dans certaines communautés d'ailleurs, on ne se laisse pas l'occasion, on ne se laisse même pas l'opportunité de croire que cela existe. Et pourtant, oui, peu importe les communautés, peu importe notre lieu de vie, peu importe notre ethnicité, la santé mentale est une chose qui nous touche tous. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est pouvoir se lever, entendre, bouger, ne pas être à l'hôpital, ne pas avoir une grippe, ne pas avoir attrapé le Covid? Je sais pas. Comment est-ce qu'on définit la santé, selon toi? Alors oui, des bouquins, on peut trouver ça dans le dictionnaire. D'ailleurs, attends, je vais te le chercher. Il y a différentes définitions de la santé selon Larousse, mais il y en a une qui me parle pas mal. Alors, équilibre psychique, harmonie de la vie mentale, santé morale. Et qu'est-ce que nous dit l'OMS? Oui, l'OMS est l'Organisme mondial de la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. As-tu déjà entendu parler du burn-out? Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, alors oui, bien sûr, on en entend tous parler, hein. Attends. Qui n'a pas entendu parler de burn-out, hein? On entend ci, par là. Et pourtant, c'est une chose qui est réelle. Est-ce que tu penses être déjà passé dans un état down, comme on dit, un état bas, un état de faiblesse, de fatigue, de grande fatigue, d'épuisement? Est-ce que tu penses que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu penses qu'actuellement, tu es capable de répondre à ma question du départ et me dire que oui, je pense que je suis effectivement dans une période un peu down et vraisemblablement, je peux être en période d'épuisement? Déjà, de un, c'est des choses qui sont difficiles à avouer parce qu'on est face à nous-mêmes et on se rend compte qu'on est face à une incompétence, on est face à une incapacité, une impossibilité. Et nous, on est des surhommes, hein. On est des surhommes, attends, tu crois quoi? On est des surhommes, bien sûr, on est sur Terre, on peut tout supporter. Mais pourtant, c'est une chose qui est réelle. Le burn-out existe, l'épuisement existe. Et on y est tous, à un moment donné de notre vie, confrontés. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, donc c'est une chose qui te parle. Peut-être qu'actuellement tu es dans cette phase de dite désert, on peut dire ça comme ça, où tu es un peu seul au monde, où tu as l'impression d'être seul au monde. Et peut-être que ça fait des années que tu es dans cet état et que tu te demandes comment est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir, ou alors que même tu as laissé tomber, t'as baissé les bras et que tu subis cette situation depuis des années. Alors ensemble, dans cette petite série, j'aimerais qu'on puisse nommer les choses. J'aimerais qu'on puisse citer les choses. J'aimerais qu'on puisse parler en profondeur de ces choses. Je ne suis pas experte, mais je vais me documenter, je me documente pour pouvoir nous amener dans un contenu de qualité, surtout sur ce sujet-là. J'aimerais te dire que même si tu es dans cette période sombre depuis plusieurs années, ne baisse pas les bras. Ne capitule pas face à cette situation que tu subis. Oui, on est victime de ça. Tu peux t'en sortir. Alors je ne dis pas que cette série va te permettre de te relever et que tu vas regarder ces quelques vidéos et que forcément tu vas sortir de la dépression, que tu vas sortir de la déprime ou que tu vas sortir de l'épuisement, non. Mais j'aimerais que tu comprennes que tu n'es pas seul à traverser ces choses difficiles, que ces choses existent, ces choses sont réelles. C'est pas dans ta tête comme peut-être on peut te le faire croire ou qu'en te comparant aux autres, tu as l'impression que c'est toi qui as un problème. Non. La santé n'englobe pas uniquement l'individu. Il y a des facteurs externes, il y a des facteurs qui sont sociétales en fait. Il y a des facteurs étatiques, il y a des choses que l'État a mis en place ou des structures que l'État a mis en place, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, qui ont aussi un impact sur ta santé, qu'elle soit mentale ou physique. Donc reste avec moi et ensemble, on va pouvoir énumérer ces choses. Et on va essayer de se donner quelques astuces parce que oui, il en existe. Mais je sais que si tu gardes la foi, tu gardes l'espérance, tu pourras sortir
un jour de cette obscurité. Et si tu es en train de glisser dans cette pente, j'espère que grâce à ce temps qu'on passe ensemble, tu auras quelques petits outils pour t'agripper encore plus fort et ne pas sombrer. Je te laisse avec la suite de la vidéo.